Dis-moi, c'est toi qui as déposé ce paquet ici? Non. Il était pas là hier soir. Ah non, il n'était pas là hier. On aurait vu. Avant qu'elle arrive. Ben, ça va là dans 5 minutes. J'aurais préféré qu'on soit que tous les deux ce soir. Bien, moi aussi, c'est vrai que c'était pas organisé comme ça, mais on n'a pas eu trop le choix. C'est notre dernière soirée ensemble. Puis tu sais très bien qu'elle m'aime pas. Et pourquoi vous vous appréciez pas toutes les deux? C'est pas qu'on s'apprécie pas. On n'a jamais appris à se connaître. Eh ben justement, toute une soirée passée ensemble, c'est l'occasion. Elle l'a peut-être ramené avec elle. Ah ben, j'ai pas vu de paquet dans ses affaires. Elisabeth. Content de te voir. Oui, moi aussi. Tiens, donne-moi ça. Merci. Ça va? T'as fait bon voyage? Oui, un peu long, mais ça va. Un peu long? Pourquoi t'es parti tôt aujourd'hui? 15h, 15h30. Ah bon, quand même, hein. Quand même. Bon. Alors, tu connais Camille? Salut. Hey. T'as refait la déco? Ah bah ça c'est Camille ça. T'as la bête ici maintenant. Ah. Et, je vais te montrer ta chambre, hein. Bonjour. Bonjour. Elisabeth, c'est toi qui as déposé ce paquet là? T'es pas là hier avant que tu arrives. Je sais pas, c'est peut-être Cam qui l'a mis là quand tu l'as montré à ma chambre. Là, c'est chez toi. Ok, merci. T'es encore avec elle? Oui, ça me revient, on était dans la chambre. Et voilà, t'es chez toi. Ah, merci, j'adore. Ça va être si bien, vous allez si bien ensemble, j'adore Camille, je suis si heureuse, merci. Puis c'est vrai que Camille, t'étais là toute seule, donc ça t'aurait très bien pu le mettre ici. Non. Moi j'étais en haut en train de préparer ton cadeau. Elle est pas de mon rien à faire avec elle. Elle est là pour tout un truc, pour toute une raison. Elle a capté cette chaîne que t'étais connue. Et puis t'as vu son âge. Après les étudiants, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baiser avec les collégiennes, c'est ça? Elisabeth, ça suffit. C'est Ellie. Mais en vous entendant arriver, je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment. Il est toujours en haut, tu peux aller voir. Mais c'est vrai que t'es pas descendu avec. Et puis il n'y avait toujours pas de cadeau quand vous étiez là, toutes les deux, pendant que j'étais dans la cuisine. Ah, je suis dans ça. Viens, rejoins-nous. Non, 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 profitez, profitez. C'était pas cette ambiance-là. Non, 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 profitez, profitez. Et après, il y a eu le repas. Bon, ça s'est pas si mal passé. Santé. Santé. Je n'ai pas envie qu'elle soit là. Je n'ai pas envie qu'elle soit là. C'est une gamine capricieuse et je n'ai pas envie qu'elle soit là. Mon petit portefeuille, je veux te garder rien que pour moi. Tu les vois bien mes seins d'ici? T'es sérieuse? C'est pas le souvenir que j'en ai. Moi, je me suis démerdée toute seule pour trouver mon taf. J'ai pas eu besoin de baiser mon prof pour l'avoir. Et ensuite, je me fais plein de thunes pour payer mon loyer et puis pour m'acheter une caisse. Parce qu'elle roule bien ma caisse, attention, hein. Et puis mes études de droit, bah, ça va rapporter. Tu vas avoir toute la thune à ce que je vais me faire. Ah bon? On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Souviens-toi. Mais je t'ai pas dit, en fait, elle est pansexuelle. C'est comme ça qu'on dit Elisabeth, pansexuelle. Hein, hein, Elisabeth? On dit pansexuelle, et c'est Ellie. Et tu veux t'appeler Ellie maintenant, comme Semoun? Hein? Ellie Semoun, le pansexuel? Ta gueule, Archie! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 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 oui. Non, mais après t'es parti, on t'a plus revu de la soirée, alors Elisabeth t'aurait très bien pu le mettre sur la table après. Non, je crois pas.
Du coup, vu que Cam a laissé le sien en haut, ça peut être que le tien, Archie. Oui, j'avoue, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau pour toi, Elisabeth. Tu racontes n'importe quoi. Mais si, rappelle-toi. C'est une super idée de cadeau pour ta sœur. Mon génie. Pourquoi tu racontes toujours des histoires? Tu mens en permanence. Ce cadeau, c'est pas toi qui l'as acheté, c'est pas toi qui l'as mis là. Tu l'as pas commandé, t'as pas commandé de cadeau pour ta sœur. T'as pensé au cadeau pour ta sœur? Ouais. Ok. Tu fais rien dans ton bureau. T'achètes pas ce cadeau et comme tu travailles pas sur ton grand projet, on n'a jamais vu de maquette, on n'a jamais vu de croquis. Ça fait 3 ans que t'en parles et personne n'en a jamais vu la couleur. Mais oui, attends, mais mon projet, de toute façon, j'y travaille. Oh, et puis zut. Oui, bah tu sais quoi, mon projet, ça fait 3 ans que j'essaye. 3 ans et j'y arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis nul comme architecte. Avant-dernier de promo, tu sais, ça te parle ça, un peu? Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que t'as tout le talent que j'ai pas. Je suis nul, t'entends? Mes designs, je les vole. Je récupère de l'argent, en fait, avec un Ponzi scheme pour garder tout ça, en fait. C'est tout ce que je fais. Tu vous m'agacez toutes les deux. Moi, j'essaie de tout arranger, tu vois. J'essaie de vous faire passer une bonne soirée. Mais même ça, je n'y arrive pas. Archie. Du coup, on ne sait toujours pas de qui il est, le cadeau.